des choses dans la vie qu'il ne faut pas faire, qui à coup sûr attirent des ennuis aux têtus qui quand même les font à l'envers. Même bien expliqué pour eux c'est jamais clair. On leur a dit pourtant si souvent c'est risqué d'essayer deux choses en même temps. Pour être simple maintenant, voici des exemples courants. On est secoué quand on lit son journal, de la tête aux pieds, assis sur un cheval. Ça fait bouger quand on fait des photos, on peut les louper sur le dos d'un chameau. On est remué quand on brosse ses dents, les deux jambes accrochées au cou d'un éléphant. Il y en a des qui font vraiment tout de travers. Est-ce que c'est pour nous faire rigoler ou bien c'est exprès pour nous mettre en colère? Comme je disais l'autre jour à mon dromadaire, même les vieux chameaux du désert ne balancent pas leurs deux bosses en même temps. Pour être simple maintenant, voici des exemples courants. On est secoué quand on lit son journal, de la tête aux pieds, assis sur un cheval. Ça fait bouger quand on fait des photos, on peut les louper sur le dos d'un chameau. On est remué quand on brosse ses dents, les deux jambes accrochées au cou d'un éléphant. Assis sur un cheval, ça fait bouger quand on fait des photos, on peut les louper sur le dos d'un chameau. On est remué quand on brosse ses dents, les deux jambes accrochées au cou d'un éléphant. On est secoué quand on lit son journal, de la tête aux pieds, assis sur un cheval. Ça fait bouger quand on fait des photos, on peut les louper sur le dos d'un chameau. On est remué quand on brosse ses dents, les deux jambes accrochées au cou d'un éléphant.